Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. Il est toujours le 5, 6, pardon. Le 6 juillet, il est 17h20. Et je vous emmène avec moi si vous voulez, vous allez avoir le bon vieux temps de merde. Wana, arrête. C'est la dame qui me prend normalement Charlie quand il est à la maison. Puis moi j'ai travaillé, je le pose à l'école et à me dire prendre le bus et va manger. Donc chez ces dames, en fait, c'est une petite cousine à mon papa, puis à ma soeur, quoi. Enfin, voilà. Et qui a été nourrice toute sa vie. Donc voilà. Donc elle voulait savoir des nouvelles de Charlie, machin. Là, je vais expliquer. Bon, après, elle, moi je sais que Charlie lui a dit des trucs et tout, donc pour l'instant je ne lui ai rien demandé, mais s'il faut, je sais qu'elle me fera un témoignage, si au cas besoin. Mais bon, le but n'étant pas de jouer à ça, j'ai pas envie de jouer à ça à la base, hein. C'est pas un jeu déjà pour moi, pas du tout, moi je voudrais juste voilà, revoir mon fils. Au pire qu'on me donne des clés pour que je sois peut-être que je lui parle plus comme à un enfant plutôt qu'à un adulte, ça c'est sûr. Et voilà, que j'ai mon fils voilà, avec moi et que et c'est tout quoi, parce que je pense pas être à la base une mauvaise maman. Je vais m'attaquer lundi la quatrième semaine sans lui. J'ai envie de vous dire que. Ben voilà quoi. Là c'est. Ça commence à être de plus en plus dur, hein, clairement. Je vais donc chez mes amis à Montcuzel. Donc je vais déjà m'arrêter. Je vais tout faire au B1. Je vais aller jusqu'à l'avant, au B1. Là, à la boulangerie, tirer un peu de sous. Puisque j'ai besoin d'un peu de liquide en épicène, ça évitera de courir quand je travaille ou quoi que ce soit. À peine un peu plus chaud, on a un petit 15 degrés. Voilà. Je calme tout ça. Je rigole, mais ça ne fait pas rire. Pas du tout, même. Alors, hier soir, je suis rentrée. Mais j'étais fatiguée, quoi. Je suis rentrée hier soir, j'allume, moi, le temps que ça monte à mon cerveau,
dans une calèche avec un cheval et tout. En fait, il y avait une représentation, il y avait un truc de théâtre. Ah, du coup, j'ai baissé vite mes feux. D'accord. J'ai vite baissé mes... parce que je tombe la barre, donc j'ai vite éteint mes barres. Mais j'ai mis un petit temps avant de les enlever quand même. Putain, je vous jure. La honte. La honte. Vraiment. Des fois, je me dis, jure. Mais c'est comme ça. Putain, c'est long, hein. Donc là, ça va faire sept, huit mois, hein. Je dirais que c'est en travaux. Ouais, 7-8 mois par là. Moana, t'arrêtes, sans déconner. Arrête, tu te tais. Oh, Ninou. Viens là. Oh, Ninou. Je n'ai pas si sale que ça, super cool, alléluia. Et quelques heures après, oh my god, je sens que ça coule, 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 que ça me mange l'oreille, clairement. Quand je dis que c'est une petite bête qui me mange l'oreille, c'est cet effet que ça me fait, vraiment. Et là, aller me toucher, en fait ça me grattait, voilà, oui certes, mais bon, il était pas sale, il n'y avait pas bien de la saleté, et en fait je sais pas, voilà quoi, quelle erreur. Du coup, ben ça a coulé beaucoup cette nuit, puisque ce matin je me suis réveillée, c'était ça avait fait une tache sur ma tête d'oreiller, ce qui a coulé. Ça me gratte, ça me pique, ça me chauffe, ça me fait tout ce que vous voulez un peu. Hein. Et par contre, ça fait
mettre dedans. Donc c'est très granuleux. Je n'ose pas trop aller toucher parce que je me dis que c'est beaucoup de la grève. C'est comme du coup plein de petites, comme un granulé quoi. Vu que c'est tout petit les croûtes, voilà. Et je me dis, si ça c'est moi qui enlève, que ça ne tombe pas tout seul, je pense que là je suis bonne pour un traitement direct de l'oreille. Et comme j'ai pas ça va être un traitement et que j'ai pas la douleur de l'outil, je ne peux pas trop m'amuser non plus à aller mettre n'importe quoi, n'importe quand. Même si je sais que ça ne peut pas faire de mal. Voilà quoi. J'aimerais plutôt arriver à pas le toucher, à y gratter là. Avec ces petites croûtes, elles tombent d'elles-mêmes. Bah, qu'elles se décrochent, en tout cas d'elles-mêmes, parce qu'elles n'avaient pas tombé tout seul dans mon oreille. Que ça soit pas moi qui les arrache à 40 outils, je vais vraiment me gratter avec mes oreilles. Parce que là, je pense que je suis à un certain niveau déjà de purulence, on va dire ça comme ça, dans l'oreille. Et dans l'oreille, on peut pas trop mettre n'importe quoi. Donc je me disais, est-ce que si j'essayais un peu de comment dire, visualiser quelque chose qui me ferait du bien à cette oreille, je sais pas, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être un bon test, un bon travail aussi, parce que j'ai un endroit spécifique réellement qui me gêne, donc ça pourrait être sympa d'essayer. Je vais forcément penser qu'à ça. Donc ça va me gratter. Donc bref, ainsi de suite, la maline. Est-ce que c'est ça l'eczéma? Et puis là c'est ce petite bête quoi. Je te mange l'oreille. On va rigoler. Hein. Tout est long aujourd'hui, c'est un truc de malade. Aussi.
on n'en manque pas. Sinon, non, vraiment pas. Cette année, j'ai trop envie de taper mon chauffage parce que sinon, je vais faire surchauffer mon téléphone. J'ai envie d'envoyer un message à quelqu'un. J'ai envie de prendre une nouvelle de quelqu'un. Et j'étais un peu. Je savais pas trop. Et après, quelqu'un m'a dit mais si ça lui prendrait. En fait, je sais pas, c'est parce que. Quand on a fait le départ de je sais pas du coup si c'est faisable ou pas cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme je pense beaucoup, forcément je pense que peut-être elle se rappelle pas qu'elle m'aurait dit ça et que en fait voilà quoi. Et j'ai bien envie quand même. Pareil, 50-50, comme d'hab. 50-50, voilà, 50-50. Aucune détermination. Ah, ça, ça m'énerve d'être comme ça. Pour certaines choses. Non, mais surtout, c'est pas vrai. Tout ça quoi. Voilà. Bon allez, à plus tard la YouTube compagnie.